Le sentier de grande randonnée de l'Eifel sillonne les paysages vallonnés de l'ouest de l'Allemagne. Nous abordons la deuxième partie de ce périple de 313 km au pays des volcans éteints. Depuis Gerolstein, nous traverserons Daun, Manderscheid et Wittlich. Étape ultime de ce voyage dans l'Eifel, Trèves, la plus vieille ville d'Allemagne. Cette contrée de l'Eifel est une région parsemée d'anciens volcans. Dans ce massif de l'ouest de l'Allemagne, bouillonnait, il n'y a pas si longtemps, une infernale fournaise. Un passé agité, mais à l'origine d'un trésor de la nature. La roche volcanique est le berceau d'une eau minérale saine et vivifiante, naturellement gazeuse. C'est à Gerolstein, petite station climatique baignée par la Kyll, que nous avons donné rendez-vous à Oliver Blum. Il va nous accompagner lors de cette première étape de notre randonnée. Nous faisons le plein avant d'entamer la balade. Premier arrêt, Mystik, une petite chapelle de pèlerinage nichée dans la forêt de Gerolstein. C'est une famille noble de la région qui l'a fait ériger au XVIIe siècle pour avoir eu la vie sauve lors d'une embuscade. La forêt de Gerolstein était alors le repère des bandits de grand chemin. Oliver veut nous emmener sur le plus haut sommet du pays de Gerolstein, le Dietzenlai, qui culmine à plus de 600 mètres. Depuis la petite tour panoramique, la vue s'étend sur des kilomètres sur le massif de l'Eifel. Pause machen nach dem schönen Anstieg hier auf die Dietzenlai ist wirklich toll. Noch ein erfrischender Wind dabei. Man fühlt sich wieder so ein bisschen als Kind. War früher oft hier oben. Das ist schön hier. Immer noch. Non loin de là se dresse le château de Lissingen, l'un des châteaux forts de l'Eifel les mieux conservés. C'est aussi le lieu de travail d'Oliver. Il est maître boulanger et a remis en service un magnifique four à bois traditionnel, typique de cette région d'Allemagne. Mais qui dit tradition ne dit pas forcément méthode archaïque. Dans le fournil, Oliver travaille avec des instruments bien de son temps. C'est indispensable pour répondre à la demande d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Autant dire qu'Oliver a plus que du pain sur la planche. Le geste du boulanger est sûr, les ingrédients authentiques. Machen wir als sauberes und reinstes Wasser in Deutschland überhaupt. Und dann dementsprechend auch regionale Produkte drin, also angebaute Rohstoffe drin. Von der Teigführung her mit Vorteig geführt, mit traditionellen Drei-Stufen-Sauer. La levée de la pâte se fait en deux temps, puis Oliver enfourne les pâtons. Les plus anciennes parties du château datent de 1280, mais l'édifice repose sans aucun doute sur des fondations datant de l'époque romaine. Contrairement à la plupart des châteaux de l'Eifel, le château de Lissingen n'a jamais été détruit et est resté relativement préservé des dommages du temps. Le visiteur fait un véritable voyage dans le temps, dans ses salles presque intactes. La magie médiévale opère. Au bout de deux heures de cuisson, les miches sont bien dorées. Oliver vérifie que le pain est cuit à cœur. Le pain d'Oliver est un pain de campagne, rustique, à la mie dense et goûteuse. Un pain typique de l'Eifel, terrien et solide. Nous avons à présent rendez-vous avec Dirk Heinz, qui va nous faire entrer dans le Saint des Saints, la source de l'eau minérale de Gerolstein. Dirk Heinz est chimiste pour Gerolsteiner Brunnen, la société des eaux minérales de Gerolstein.
die sieht unspektakulär aus. Es ist letztendlich ein Loch in die Erde gebohrt, das mit einer Metallplatte abgedeckt ist, wo lediglich ein Rohr durchführt, durch das das Mineralwasser zum Werk gepumpt wird, um dort abgefüllt zu werden. Un gisement aquifère sous haute surveillance. Dirk Heinz procède régulièrement à des contrôles de qualité draconiens. Lentement filtré à travers la terre volcanique de l'Eifel, enrichi en minéraux par la roche dolomitique, l'eau minérale de Gerolstein s'accumule goutte après goutte à 200 mètres sous terre. Au moment du pompage, elle est immédiatement acheminée vers la station d'embouteillage, sans étape intermédiaire qui pourrait la dénaturer. Elle revoit le jour, pure et intacte, dans une bouteille. À son arrivée, l'eau est séparée de son gaz carbonique, précieusement conservé, puis elle est déferrisée pour la préserver de l'oxydation. Le gaz est ensuite réintroduit dans les mêmes proportions qu'à l'émergence. La société Gerolsteiner Brunnen est leader sur le marché des eaux minérales allemandes. Un succès qui s'exporte, l'eau minérale de Gerolstein est distribuée dans plus de 40 pays. Mais retournons à présent au Grand Air. À une dizaine de kilomètres de Gerolstein s'élève le Nerotorkopf, le vestige d'un volcan. Après des décennies d'exploitation forestière, la nature reprend peu à peu ses droits. L'homme y est le bienvenu, mais doit se garder d'intervenir. Les sols sont jonchés d'arbres morts, la végétation pousse à son propre rythme. C'est ainsi que naissent les forêts vierges de demain. Nous nous dirigeons vers Daun, en gravissant les 12 pentes du mont Kallenberg. Daun est une petite ville thermale, nichée au creux de la vallée de la Lizère. Nous y retrouvons Achim Kugel et Céline Reinecke, deux nouveaux compagnons de route, pour une nouvelle étape qui nous emmènera jusqu'à Manderscheid. Les randonneurs chevronnés veulent nous faire découvrir quelques-unes des plus grandes merveilles naturelles de l'Eifel volcanique. Le temps est magnifique. Cette balade promet d'être des plus agréables. Les voici, les mares, les lacs de cratères, nés de la rencontre orageuse de l'eau et du magma en fusion, il y a 10 000 ans de cela. Le mare de Gemünd est un petit lac bleu nuit, presque noir, fréquenté en été par les baigneurs et canoteurs. L'eau est plutôt froide, mais nous ne boudons pas notre plaisir. Rive boisée, eau profonde et scintillante. L'atmosphère est enchanteresse, presque irréelle. Nous prenons un peu de hauteur sur la tour Drunk, du nom du fondateur de l'association de l'Eifel, qui œuvre pour le développement et le rayonnement de cette région d'Allemagne. Les alentours de Daun comptent deux autres de ces curiosités géologiques, le mare de Weinfeld et celui de Schalkenmähren, très proches l'un de l'autre. Ici, les habitants les surnomment « les yeux bleus de l'Eifel ». Pour Arim et Céline, c'est une source d'émerveillement sans cesse renouvelée. Ich wandere sehr gern durch den Eifel und besonders auf den Eifelsteig. Ich habe sehr viel Zeit, um die Dörfer zu beobachten, eine schöne Landschaft und einfach die Eifel einfach genießen zu können. La vallée de la Lisère est sans doute l'un des plus beaux paysages que traverse le sentier. Céline et Arim continuent leur chemin. Nous, nous décidons de faire un petit détour. Nous avons entendu parler d'un élevage de bœufs bio, particulièrement réputé, situé à Strohn. Et puis, une petite étape gourmande, ça ne se refuse pas.
Norbert Hotten, élève des bœufs de la fameuse race limousine, réputée pour sa rusticité, sa robustesse et la saveur unique de sa viande. Son cheptel compte une quarantaine de têtes. Pour Norbert Hotten, il est important que ces bêtes soient élevées humainement, dans de bonnes conditions. Sans compter que le stress affecte la qualité finale de la viande. Die Schinken sind so lecker, das kommt erstmal auf das Tier an, auf gesunde Tiere und vor allen Dingen dann auch die Verarbeitung. Ne? Stressfreies Schlachten, lange genug abhängen vom Schlachtkörper und dann auch die Würze, ne? Und diese Zeit, bis der Schinken reif ist. Ne? Vom Schlachten bis zum Verkauf von unserem Schinken, das dauert gut 3 Monate. Le jambon de bœuf fumé, c'est une des spécialités de Norbert. Après avoir maturé quelques jours, les morceaux de viande sont placés dans un fumoir à chaud. Durée du fumage, environ 3 semaines. La ferme vend directement ses produits de charcuterie. C'est Martha, l'épouse de Norbert, qui tient la boutique. Le jambon de bœuf fumé de Norbert Hotten s'apprécie tel quel, en tranches très fines. Prochaine destination, Manderscheid et ses 2 châteaux forts. Nous retrouvons Céline et Achim qui achèvent ici leur balade le long du sentier de l'Eifel devant l'hôtel de ville. Séparées par la Liseur, les ruines de l'Oberbourg et du Niederbourg semblent se défier. Magnifique exemple d'architecture militaire médiévale, ils témoignent de la lutte pour le pouvoir dans l'Eifel au Moyen-Âge. L'Oberbourg appartenait à l'électorat de Trèves et le Niederbourg était possession luxembourgeoise. À présent, direction l'est, dans la forêt de Himmerode. Nous croisons la route de Monika Borscheid et de Sylvia Hetzel, 2 randonneuses originaires de la Ruhr. L'Eifel est leur domaine de randonnée de prédilection. Aujourd'hui, elle se rend au monastère de Himmerode. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Himmerode est un important lieu de pèlerinage. Un des nombreux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle passe à proximité. L'abbaye est un édifice aux lignes épurées, tout en sobriété, en accord avec les valeurs cisterciennes. Aujourd'hui, 13 moines cisterciens vivent et travaillent au monastère. La prière commune est l'office qu'ils réunissent 7 fois par jour. Ora et labora, prie et travaille, un précepte que le père Stéphane applique tous les jours. Le monastère a une longue tradition d'exploitation agricole et d'élevage. Il possède d'ailleurs un petit étang à truites, dont le pisciculteur Axel Bohr a la charge. De quoi réjouir les clients du restaurant de l'abbaye. En effet, bien que remplissant une fonction essentiellement monastique, l'abbaye n'est pas un lieu fermé, mais ouvert sur le monde. La spiritualité et la sérénité qui se dégagent de ces lieux doit être partagée par le plus grand nombre. L'hospitalité est ainsi une valeur que les moines ont à cœur de préserver. Wolfgang Hilgert est le chef du restaurant. Au menu aujourd'hui, de la truite, bien sûr. Pour commencer, le chef nappe le poisson d'une marinade à base de sauce Worcestershire et de jus de citron. Il confectionne ensuite une panure aux amandes. Schon als Kind war ich immer froh, wenn meine Eltern zu Hause mich alleine gelassen haben. Ich durfte mir selbst was zu essen machen.
Küche sah zwar nach grausam danach aus, aber Kochen ist eine Leidenschaft. Muss auch eine Leidenschaft sein. Aujourd'hui comme hier, les pommes de terre sont l'aliment incontournable de cette région de l'Eifel. En accompagnement de la truite, Wolfgang Hilgert prépare un Doppelkuchen, une sorte de gâteau de pommes de terre râpées avec de l'oignon, des œufs, du jambon et de la mie de pain. Autrefois, le Doppelkuchen était un plat conservé surtout pour les fêtes et les grandes occasions. Gleichmäßig verteilt. Pendant que le gâteau cuit au four, le chef fait griller la truite dans du beurre avec quelques gousses d'ail bien parfumées. Truite dans son manteau d'amande, accompagnée d'un gâteau de pommes de terre. Un plat dont le succès ne s'est jamais démenti. L'abbaye de Himmerode a été fondée par Bernard de Clairvaux, maître spirituel de l'ordre des Cisterciens. En quelques années, les moines en ont fait l'un des centres religieux les plus importants de l'Eifel. Pour le père Stéphane, qui vit au monastère depuis plus de 40 ans, la beauté de la nature environnante, la quiétude des lieux, sont une source de recueillement tout aussi importante que l'enceinte du monastère. Ich denke, beim Wandern, ça a was mit Meditieren zu tun. Medium kommt daher. Ich gerate wieder in meine Mitte. Der Mensch ist ja oft ein bisschen zerstreut, auseinander. Geraten und er sammelt sich wieder ein. Dazu ist Wandern wohl eine ideale Möglichkeit. Wieder zu sich kommen, bei sich sein. En écoutant le père Stéphane, on ne peut s'empêcher de penser que pour beaucoup d'entre nous, ce retour à soi est l'un des moteurs essentiels de la marche aujourd'hui. Il est temps de reprendre notre bâton de pèlerin. Prochain arrêt, Dreis, non loin de Wittlich. Nous arrivons dans un jardin plutôt extraordinaire, à la faune pour le moins originale. Un élégant chalet nous accueille, en bordure d'une forêt de sapins. Nous voici au Wald Hotel Sonora, le restaurant du chef étoilé Helmut Tiltges. De la petite pension familiale, Helmut Tiltges a fait un établissement prestigieux et est parvenu à force de travail et d'obstination à se hisser parmi les plus grands. C'est aussi un chef respecté de ses employés avec lesquels il tient à s'entretenir tous les jours. Helmut Tiltges s'attelle à la préparation d'un riz de veau. Il commence par faire rôtir quelques champignons. Also diese Steinpilze, frischer geht's nicht mehr. Das ist, also wenn es ein Hummer wäre, würde man sagen, lebend frisch. Die haben heute Morgen noch gelebt. Son second et bras droit, Thomas Schanz, nous parle de son métier avec passion. Die guten Köche sind sicherlich Kopfschmecker. Die können sich das im Kopf vorstellen, ob das passt, harmoniert oder eben nicht. Und das macht eben aus. Also man muss nicht jedes Produkt oder man muss nicht jedes Gericht austesten. Viele Sachen kann man sich schon vorstellen. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn ein Koch das kann. Er spart sich einige Tests. Une jolie mousse de persil viendra rehausser le plat d'un verre lumineux. Un cône de spaghetti savamment enroulé trouve également sa place sur l'assiette. Et pour terminer, Helmut Tiltges ajoute encore une petite cuillère de sauce aux truffes. So. Jetzt haben wir gebratenes Kalbsbries auf einem Mousse von Petersilie mit Steinpilzen, einer Spaghetti-Chartreuse mit Gänseleber und Steinpilzen gefüllt. Zweierlei Trüffelsoße. Guten Appetit. L'alliance de deux virtuoses de la cuisine à consommer sans modération.
Nous reprenons notre route sur le sentier de l'Eifel. Prochaine destination, Kordel. Dagmar Lauschus et Petra Friedrich nous accompagnent pour un bout de chemin. Dans un écrin de verdure se dresse le château de Ramstein, datant du premier millénaire. Du logis seigneurial qui s'élevait autrefois sur une hauteur de 25 mètres, il ne reste plus que quelques murs. C'est aujourd'hui une curiosité très prisée des visiteurs. Le doux paysage de la vallée de la Kiel nous accueille à présent. Un peu plus haut, le sentier de l'Eifel continue en direction du sud. Dans les vergers, les pommiers sont chargés de fruits bien mûrs. La famille Reichert cultive ici une variété de petites pommes acides, d'un rouge éclatant, idéal pour la fabrication du cidre. C'est jour de récolte. À l'aide d'une grande perche, les pommes sont gaulées, une technique que Matthias Reichert maîtrise à la perfection. Les pommes à cidre diffèrent des pommes de table de par leur concentration en tanins et leur acidité. Elke Reichert a planté ses pommiers avec son mari et les a vus grandir. Der hat eine Säure und ist normalerweise sehr saftig und kriegt halt eben dem Fietz auch eine schöne Farbe, denke ich mal. Und ja, dieses Jahr sind sie nicht ganz so saftig, weil es so sehr trocken war im Juni, Juli. Ich mag so saure Äpfel nicht, mein Mann, der isst sie, der beißt in jeden Apfel rein. Le Fietz, c'est le nom qu'on donne au cidre dans l'Eifel. À Welschbillig, la cidrerie de Marc Conrad travaille avec les exploitants locaux qui lui apportent directement leur production juste après la récolte. Les fruits sont triés, lavés et broyés afin d'en extraire le jus. Lorsque la saison du cidre bat son plein, ce sont près de 400 tonnes de pommes qui sont transformées ici. 100 kg de pommes donnent environ 70 litres de jus. Le moût est ensuite placé dans des cuves où il va fermenter pendant 6 à 10 semaines. Le contrôle de la fermentation est fait par soutirage successif. Also der Unterschied zwischen Apfelwein und Fietz ist der, dass Fietz aus heimischem Streuobst hergestellt wird. Also auch gerade hier in der Trierer Gegend säurehaltige Äpfel. Ein Apfelwein ist klassisch eher Tafelobst und somit auch wesentlich säurearmer und milder. Le résultat semble à la hauteur. Ein spritziger, säurebetonter Fietz. Sous le soleil d'hiver, les champs de colza sont si lumineux que Dagmar et Petra n'ont pu s'empêcher d'aller les voir de plus près. Nous sommes presque arrivés à Trèves, baignés par la Moselle. Mais avant d'aller rendre visite à la doyenne des villes allemandes, nous faisons une petite halte à Pfalzel, au Klosterschenk, un restaurant traditionnel. Le chef, Christian Zehner, s'occupe d'un magnifique cendre pêché dans la Moselle. Il pratique de petites entailles régulières sur la peau du poisson pour éviter qu'il ne se replie sur lui-même lors de la cuisson. Le cendre est un poisson qui se marie à merveille avec la choucroute. Elle est brièvement revenue dans du sein doux, puis mouillée d'une bonne rasade de Riesling. Dans un morceau de tissu fin, Christian Zehner confectionne un petit sac dans lequel il dispose des grains de poivre, des baies de genièvre et du laurier.
Il infusera doucement dans la préparation. Il coupe ensuite des pommes de terre cuites et du boudin de trèfle en petits morceaux qu'il enroule dans une feuille de brique. Et pour lier la choucroute, rien de mieux qu'un peu de pommes de terre râpées. Hat meine Großmutter früher schon immer gemacht. Viele binden heute mit bisschen Stärke ihr Sauerkraut, aber traditionell wird's mit roher geriebener Kartoffel gebunden. Les filets de poisson sont passés dans la farine et poêlés. Les rouleaux de pommes de terre et de boudin sont plongés dans un bain d'huile. La cuisson ne prend que quelques minutes. Christian Zehner n'a pas son pareil pour réinventer les grands classiques. Sur la terrasse du restaurant, l'atmosphère est toute méditerranéenne. Christian Zehner et son amie Christiana ne peuvent s'accorder que peu de temps libre, mais ils ne renonceraient pour rien au monde au plaisir d'une petite balade dans les sous-bois. Ab und zu nehmen wir uns die Zeit und dann gehen wir einfach ein bisschen spazieren und genießen das auch sehr. Hm? Ja, meistens nachmittags kommen wir dann dazu, 1,5 Stunden mal rauszukommen, wenn es nachmittags auch nur Kleinigkeiten zu essen gibt. Und abends geht es dann wieder richtig weiter. Ja. Und der Hund, der muss ja schließlich auch mal raus. Ja. Trèves n'est plus qu'à 5 km. La ville est un concentré de culture et d'histoire. D'abord siège du pouvoir impérial romain, puis l'un des grands centres du christianisme primitif et enfin une ville médiévale dynamique. Elle a su garder de précieuses marques architecturales, à l'image de la remarquable cathédrale Saint-Pierre. Devant la porte à Nigra, nous terminons notre voyage le long d'un des plus beaux sentiers d'Allemagne, le sentier de grande randonnée de l'Eifel.